sécurité et la direction de l'automatisation du fichier. Ici représenté par son directeur général, M. Ibrahim Diallo, et ses collaborateurs avec les miennes qui sont là. Donc, monsieur le directeur, mesdames, messieurs, en procédant à la signature conjointe de la convention pour la mise en disposition des assistants à la sécurité de proximité, nous venons à travers cet acte hautement symbolique, empreint de civisme et de patriotisme, formaliser un partenariat que nos deux structures ont spontanément instauré depuis le début de notre compagnonnage. En réalité, la signature de cette convention officialise notre volonté commune de cheminer ensemble sur la voie de l'excellence pour une administration performante parce que moins cloisonnée et plus proactive. En nous accompagnant dès le début sur le difficile chemin de la mise en place de l'ASP, une structure qui n'en était qu'à ses balbutiements, vous avez participé, monsieur le directeur, à la gestation et à la maturation d'un projet que vous savez cher au chef de l'État, le président de la République, Macky Sall. Et important pour un pays comme le Sénégal, vous nous avez aidé à porter le projet et nous vous en remercions vivement. Monsieur le directeur, entre l'agence d'assistance à la sécurité de proximité et la direction de l'automatisation du fichier, nous avons dépassé le stade de la coopération et des actes purement protocolaires pour entrer de plein pied dans l'ère du partenariat qui s'est déjà traduit à travers la mutualisation de nos moyens respectifs. En témoignent les multiples séances de travail de la direction générale et les réunions du conseil de surveillance de l'agence d'assistance à la sécurité de proximité. En témoigne également le travail technique de collecte et de traitement des données que votre direction a conduit avec rigueur et efficacité pendant le recrutement. La formation et le déploiement des assistants à la sécurité de proximité. Les agents, en particulier les filles, que vous aviez mis à la disposition de la direction de l'agence ont pleinement honoré la confiance que nos deux directions avait placé en nous. Je vous en suis particulièrement reconnaissant et vous prie de leur transmettre toute ma reconnaissance et ma profonde gratitude. Monsieur le directeur, c'est pour moi l'occasion de vous rappeler que les 90 assistants que nous mettons entre vos mains, à votre disposition, pour ne pas dire, sont également vos produits. Vous avez contribué avec vos services respectifs à les former et à les façonner. Ils vous reviennent pour être prêts à l'emploi. Vous connaissez leur engagement au service de la nation. Vous connaissez également leur détermination à relever le défi de l'insécurité, à l'incivilité et de la délinquance sous toutes ses formes. Ces jeunes filles et garçons ne demandent donc qu'à être encadrés et accompagnés pour se rendre utiles et servir leur pays. Je demeure convaincu que la formation supplémentaire que vos services vont leur faire subir contribuera grandement à leur expérience professionnelle et leur permettra, ici ou ailleurs, de gagner dignement leur vie au terme de leur engagement. Je vous remercie de votre amable attention. Monsieur le directeur général,
mesdames, messieurs, comme vous l'avez si bien dit, de 90 assistants à la sécurité de proximité pour emploi. Ces assistants nous viennent de la première promotion des assistants de proximité, promotion de 10 000 jeunes qui ont été formés dans le cadre de l'agence, conformément aux vœux très chers du chef de l'État, de participer en collaboration avec les services de sécurité traditionnels, la police, la gendarmerie, et aussi d'autres services de l'État, à la sécurité des citoyens, à la lutte contre l'incivisme et à la lutte contre toute forme de délinquance, comme vous l'avez dit tantôt. Nous vous remercions des mots aimables que vous avez prononcés à notre endroit quant à l'appui que nous avons apporté à l'Agence de sécurité de proximité. Je dois vous dire que cet appui est naturel de notre part, puisque l'agence étant rattachée au ministère de l'Intérieur et la DAF étant la direction des services et systèmes d'information du ministère, nous devons apporter notre concours à tout projet qui est mis en œuvre au sein du ministère et qui requiert des compétences liées aux nouvelles technologies de l'information. C'est donc avec beaucoup de plaisir que nous avons apporté notre soutien au recrutement et nous avons participé avec vous vraiment à, disons, la mise en œuvre de ce projet. Nous l'avons fait aussi avec d'autant plus de plaisir à maintenant et les cadres qui vous accompagnent au sein de l'agence également sont des gens avec lesquels nous avons des relations au-delà des relations professionnelles, des relations fraternelles. Donc c'est avec vraiment beaucoup de plaisir que nous avons accompagné. Et nous pouvons considérer vraiment cette mise à disposition avec beaucoup d'enthousiasme parce que pour nous c'est comme qui dirait un retour d'ascenseur. Mais en même temps, comme vous l'avez dit, ce sont nos propres éléments que vous nous retournez pour emploi. Donc soyez assurés que nous saurons en faire un usage le plus adéquat possible dans le cadre des missions traditionnelles qui sont les missions de la DAF, qui sont principalement l'instruction des demandes de carte nationale d'identité, dans lesquelles la plupart des éléments que vous nous retournez aujourd'hui ont déjà une certaine expérience en qualité d'opérateur. Mais également, ils arrivent à point nommé, parce que nous sommes dans la période de préparation des élections locales qui doivent se tenir au mois de juin. Et dans cette phase de préparation, vraiment, cet appui ne sera pas de trop pour la préparation des documents électoraux, puisque nous sommes en pleine phase de l'exploitation des mouvements de la révision exceptionnelle des listes électorales. Et nous sommes en train de préparer donc l'édition des listes et l'édition des différentes cartes d'électeurs pour les nouveaux inscrits et les électeurs qui ont eu à changer d'adresse électorale. Donc vraiment, on n'a pas de mots suffisants pour vous remercier pour vraiment cet élan d'appui que vous nous retournez. Et vraiment, c'est l'occasion pour nous vraiment de souhaiter la bienvenue à ces gens qui nous reviennent en les exhortant vraiment avec votre permission à beaucoup plus d'abnégation, en les exhortant à beaucoup plus de conscience professionnelle, en sachant qu'en faisant le vœu et l'engagement au sein donc, de ces forces de proximité, qui sont une disposition nouvelle, vraiment ils entrent dans un engagement avec l'État, ils entrent vraiment dans des missions, vraiment qui sont des missions de sécurité. Les missions de sécurité sont des missions régaliennes. Vous travaillez à côté de la police et de la gendarmerie, donc vous devez être vraiment engagé dans la discipline qui caractérise les forces de sécurité. Vous devez être des gens vraiment qui ont l'obligation de réserve. Vous devez être des gens engagés.